Reims 10e accueille la SC Ajaccio 17e. Les Rémois restent sur 3 nuls à l'extérieur, mais 3 victoires à domicile. Ils espèrent donc devant leur public enchaîner face au club corse qui lui reste sur 2 victoires et 3 défaites. Mais les 2 victoires ont été obtenues contre des concurrents directs, Angers et Troyes. Moment particulier de recueillement avant le début du match en mémoire de la légende Juste Fontaine, ancien joueur mythique du Stade de Reims. La première opportunité de la rencontre est en faveur des visiteurs. L'AC Ajaccio se procure cette opportunité avec Romain Amouma. C'est repoussé par Yevan Diouf. Pas une action suffisante pour faire la différence. Très peu d'opportunités au cours de la première période. L'AC Ajaccio essaye de profiter de ce début de match sans beaucoup de rythme. Mais ça passe au-dessus. Manque d'efficacité. Et pas de but ici pour Cyril Bayala. Reims va à son tour de l'avant avec cette tentative de loin. C'est manqué par Matuziwa. Manque de précision en première période. Et score assez logique de 0 à 0 à la mi-temps. Un point, ça serait toujours ça de prix pour le club corse. En vue du maintien, ça peut compter. Mais en seconde période, Ajaccio recule et Reims insiste pour marquer le premier but. Le tir de loin de Folarin Balogun passe à côté. Mais il y a de plus en plus d'opportunités rémoises. Une de plus ici sur une erreur de relance de Benjamin Leroy. Récupération pour Marshall Mounetzi, le tir instinctif sur le poteau. La meilleure occasion depuis le début du match. L'international zimbabwéen rate de très peu un joli but. Et les Rémois continuent à aller de l'avant. On joue la fin de la partie avec ce centre, le retourné manqué. Ito récupère, le japonais donne légèrement en retrait pour cette frappe efficace de Jens Kajust. Le Suédois marque son 3e but de la saison au bout du temps additionnel après 4 minutes supplémentaires. Le but décisif, le seul but du match. Superbe frappe pour battre Benjamin Leroy et offrir la victoire au Stade de Reims. L'AC Ajaccio ne se relève pas de ce but encaissé à la fin. Terrible pour les Corses qui pensaient bien rentrer chez eux avec un point. Il n'en est rien, Kajust a marqué et le Stade de Reims s'impose 1 à 0 contre l'AC Ajaccio.